Alors, dans InDesign, on va faire un nouveau document. Par exemple, un A4 vertical, ça va, pas de problème. OK. Et vous importez l'image de la voiture. Le dernier PSD que vous avez créé, là. Cliquez glisser pour déterminer la dimension. La faites pas trop grande parce qu'il nous faut il faut qu'elle apparaisse 3 fois sur la page en fait. Alors, je reviens à la notion qu'on a vue tout à l'heure. Quelle est la résolution de cette image? Menu fenêtre lien. Menu fenêtre lien et on va m'indiquer les PPP effectif 424 ici, oui. Ça dépend de la dimension que vous lui avez donnée. En tout cas, si vous êtes au-delà des 300 pixels par pouce, c'est bien. Peu importe comment la résolution était pré-réglée dans le fichier Photoshop, tant que dans InDesign, si c'est pour l'impression offset, ben on est à peu près à 300 ou au-delà, c'est bon. Alors, est-ce que vous savez comment faire en sorte que pourquoi InDesign prenne en compte le tracé Photoshop pour faire disparaître le décor? Objet, masque, option, ouais. Et ici, je coche la case aperçu et je vais dire tracé Photoshop. C'est le tracé Photoshop qui va servir à détourer la voiture. Voilà, objet, masque, option, tracé Photoshop. Le tracé Photoshop n'apparaît pas? Bon, on va vérifier dans Photoshop. Votre tracé, là, est-ce qu'il est indiqué tracé temporaire? Parce que là, c'est normal, ça ne marche pas. Alors. Dans ce cas-là, il faudra prendre la vignette du tracé temporaire et l'amener sur le bloc de feuille pour la transformer en un tracé permanent. Bon, vous avez vu, objet, masque, option, tracé Photoshop. Bon, sélectionnez l'image avec la flèche noire, supprimez-la de InDesign. Alors, quand vous importez l'image à nouveau, ben, il n'y a pas de masque, on est d'accord. Bon, je la supprime. Donc, chaque fois, manuellement, vous devez indiquer que il doit détourer en tenant compte du masque. Est-ce que vous pensez que dans Photoshop, on pourrait dire à InDesign à l'avance qu'il doit utiliser le tracé comme masque? Non, ah ah. Oui, vous activez, ben oui. Vous activez la vignette du tracé. Vous allez dans le menu de la palette des tracés jusqu'à la ligne masque. Bon, et voilà. Là, vous décidez dans la liste quel est le tracé. Mais il n'y en a qu'un seul, c'est facile. Le tracé qui va servir de masque. Regardez ce qui va arriver à l'écriture du tracé. Là, tracé 1, vous voyez comment il est écrit? Dès que je clique sur OK, ça n'a pas marché, il n'a pas changé d'aspect. Misère. Normalement, ça doit changer d'aspect. Eh oui. OK, on va fermer ça et réouvrir. C'est ennuyeux s'il n'indique pas qu'il sert de masque. Bon. Eh ben, je vais tester ça, je vais enregistrer le fichier, fichier enregistré, je vais l'ouvrir dans InDesign et normalement il doit tenir compte directement du fait. Chez vous ça change, hein? Bon. Ah misère. Ok. Ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça devrait. Donc cette étape-là, on va peut-être l'oublier. Hein? Testez, peut-être que ça marche chez vous. Dès que vous amenez l'image, dans la mise en page, vous voyez juste la voiture, c'est parfait. Fichier importé, voilà. Voilà, ça marche. Donc on a pu dire à l'avance dans Photoshop que le tracé servait de tracé de détourage dans une mise en page.
En principe, ça doit changer ici le texte, mais bon, il y a des problèmes de police ici apparemment sur le système. Donc, raison pour laquelle ça ne fait pas de différence. Si je crée d'autres tracés, tiens, est-ce qu'il y a une différence? Oui, celui qui sert de détourage est plus gras. Donc voilà. En fait, il avait changé, mais pas tellement. Oui, je viens de faire deux vignettes rapidement et celui qui sert de détourage est un peu plus marqué en plus gras chez moi. Avant, ça le mettait en creux, un texte un peu creux, outline. Ok, bon, peu importe. Vous êtes dans InDesign, vous allez dupliquer deux fois la voiture en la déplaçant avec la touche Alt et la flèche noire, en fait, hein. Flèche noire, touche Alt, vous avez dupliqué la voiture. Ici, avec l'outil de transformation manuelle, je redimensionne les trois d'un coup rapidement. Donc, c'est trois fois le même fichier. Si on regarde dans la palette des liens, on voit qu'on a le même fichier qui apparaît trois fois. Et c'est sur la page 1. Alors, sélectionnez la deuxième, celle du milieu, uniquement celle du milieu, et vous allez dans Menu Objet, Options de calque d'objet, Menu Objet, Options de calque d'objet, et là, vous avez tous les calques qui sont là, que vous pouvez activer ou désactiver, mais ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, vous l'avez déjà fait dans Photoshop et par la composition de calque que vous retrouvez ici. Ici, vous avez les compositions de calque. Vous pouvez par exemple passer en vert. C'est la composition que j'avais appelée vert. 15 aperçus. Ben, la voiture est verte. Je vais faire la même chose pour la troisième. J'active la troisième voiture ici. Menu Objet. Option de calque d'objet. Composition de calque, laquelle? Celle bleue. Avec la case aperçu cochée, on voit tout de suite que la voiture est bleue. Donc c'est extraordinaire, ça. Même fichier, le même fichier sur le disque dur, avec des calques différents qui s'affichent dans InDesign. Non, le fichier n'est pas plus lourd. Non, ce n'est pas trois fois le fichier comme si on avait trois voitures de couleurs différentes. C'est un seul fichier avec juste quelques calques en plus. Bon. Et l'intérêt, c'est que si vous modifiez l'image Photoshop d'origine, je veux dire, ça va modifier les trois ici. Donc vous voyez les possibilités créatives quand on commence à mélanger les logiciels, bien sûr. C'est assez génial. Au niveau de la complexité des logiciels Illustrator, Photoshop et InDesign, pour ne prendre que ces trois-là, quel est le plus compliqué des trois, à votre avis, à apprendre? InDesign, bien vu. Et le plus simple à apprendre des trois? Photoshop, bien vu. En général, on me dit l'inverse, on me dit que Photoshop est le plus complexe. C'est pas vrai. Alors, Illustrator, deux fois plus compliqué à apprendre que Photoshop. InDesign, six fois plus compliqué. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne connaissent pas InDesign, ils ne savent pas tout ce qu'il est capable de faire. Le problème avec InDesign, c'est qu'en plus d'apprendre à utiliser le logiciel, vous avez apprendre à faire des mises en page. Et ça, ce n'est pas évident. Faire des belles mises en page, ça s'apprend. Les grilles modulaires, vous utilisez peut-être? Non? Ce sont des grilles sur lesquelles qu'on utilise pour faire la mise en page. Il faut aussi apprendre la typographie. Et puis, tout ce que InDesign permet aussi de faire, les PDF interactifs, le HTML, les sites web, les publications, magazines sur tablette, etc. C'est assez monstrueux tout ce qu'il faut savoir. Donc vous ne connaîtrez jamais quelqu'un qui connaît tout InDesign, en fait. Ce n'est pas possible. Même les experts, ils ont du mal à suivre et à connaître tout. À propos de belles mises en page, petite parenthèse ici, parce que c'est une formation Photoshop, mais puisqu'on parle de mise en page InDesign et de grilles modulaires, quand vous serez vraiment des pros de InDesign, vous allez utiliser les grilles modulaires. Alors,
Voilà. Alors, faut attendre un peu que ça arrive. En tapant ceci dans Google, InDesign Grid Pinterest, vous allez tomber sur plein de Pinterest qui recensent des mises en page créées sur base de grilles modulaires. Et ça peut être très intéressant d'aller regarder ce que certaines personnes ont répertorié pour vous, en fait. Bon, je ne vais pas aller dans la partie image, je vais aller dans la partie des résultats ici. Et voilà. Le deuxième résultat ici. Ou un autre. Donc je vous laisse regarder ça, il faut chercher, il faut tomber sur les bons Pinterest. Ok, ici si j'ai pas de chance, l'internet est un peu lent, donc je n'arrive pas à bien rapidement trouver des mises en page. Peut-être qu'en ajoutant le mot mise en page en anglais, layout, ça va passer un peu mieux. Voilà. Donc des beaux exemples de mise en page. Oui, en effet, ça marchera peut-être mieux si vous indiquez layout en plus, hein. InDesign Grid Layout Pinterest. Là, je suis tombé sur un Pinterest qui montre des mises en page sur base de grilles. Très intéressant pour s'inspirer, pour exercer son œil à de belles mises en page audacieuses, comme avec du texte typo, la typo très grande, des pointillés, des lignes. Vous voyez que c'est assez intéressant. Des blocs de forme polygonale comme ça. Enfin, c'est vraiment très très intéressant de s'inspirer et d'aller regarder ça. Habillage de texte, vous connaissez certainement dans InDesign l'habillage de texte. Ok. Alors, j'étais juste ici en train de montrer possibilité de mettre à jour le fichier Photoshop original. Donc je vais dans le Photoshop original, je vais aller changer la couleur des phares par exemple. Et tiens, je peux essayer avec l'outil de sélection rapide pour voir si j'arrive à sélectionner rapidement les phares. On va voir ça. Voilà. C'est pas génial. Non, ça déborde. J'ai intérêt à faire ça avec des tracés alors. À la plume. Ou baguette magique, ça marcherait peut-être bien. Non. De toute façon, c'est. Que ce soit la baguette magique ou l'outil de sélection rapide, c'est foireux. Donc autant que je fasse un tracé à la plume rapidement. Je ne peux pas prendre un cercle et faire le tour des phares avec un cercle parce que ce n'est pas un vrai cercle comme il faut. Nickel. Ok, vous voyez, j'ai fait donc un tracé autour du phare ici. Je vais modifier la couleur des phares. Je vais ici dupliquer le tracé avec la touche Alt. Et aller le mettre sur l'autre phare et peut-être essayer de redimensionner quand même ou de repositionner les points. Mais allez-y, essayez de faire ça, ce sera intéressant. Vous allez sur le tracé, sur l'image Photoshop originale et vous faites un tracé autour des phares. On va changer la couleur des phares. Voilà. Donc. Deux tracés. Si je réaffiche mon calque foireux de tout à l'heure, le calque là qui a fadi, si j'enlève la couche verte dans la palette des couches, vous allez, je pense, bien voir où sont mes deux tracés. Alors, où est-ce qu'ils ont été faits au fait? Oui, c'est vrai. Où est-ce que je les ai faits? Dans un tracé de travail, je convertis cette vignette en tracé permanent en l'amenant sur le bloc de feuille. Voilà. Donc, dans un tracé de travail, on a deux cercles, deux portions de tracé. Allez-y.
Et on va faire ensuite un calque de réglage pour changer la couleur des phares. Mais le calque de réglage va utiliser ce qu'on appelle un masque vectoriel. Comme ça, vous aurez touché un peu au masque vectoriel. Vous saurez un peu ce que c'est le masque vectoriel. Parce que parfois, quand on récupère des travaux Photoshop, on en trouve sur les calques des masques vectoriels. Si vous n'avez jamais vu ça, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive.